Alors, son du jeu. C'est un peu fort. Baissons un peu ce volume de l'enfer. Même si cette musique est quand même très douce à mes oreilles. Allez. Allez. Bon man, très bon choix, très facile à faire. Ça fonctionne plus? Non, ça fonctionne plus. Ah si. Ça fonctionne toujours. Ah, quand même. Ouh, on est rouillé. Ouh, je sens que ça va être galère. C'est très mal parti. Ça, je me rappelle plutôt pas mal. Ensuite. Oh là là, ça fait tellement longtemps, ça va pas être facile. Alors, on va mettre le chat quand même. Voilà. Ouais, je vais baisser le son du jeu dans ce cas-là. Très bonne idée, merci beaucoup. Hop, est-ce que c'est bon ici? Oh là 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 là. Je suis pas sûr de le finir ce soir finalement. Vraiment pas sûr. Mais merde, j'aurais pu récupérer de l'énergie. Allez. Communiste. Ah ah ah. Invincible. Mais dis donc, vous êtes nombreux là là, 10 pour un du Rockman, merci. Allez, ça commence à revenir là. Je sens que ça commence à revenir là. Ouais, allez, la gueule du revient. Taras. Taras aussi là. Je le tue le jeu, je le tue ton jeu de merde. Allez, allez. Voilà. Ah, il faut reculer en plus, mais... Allez, meurs. Putain, le jeu de la patience, quoi. Évidemment, évidemment, connard, va. Putain... Ah, désolé pour la souris. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Jeu de merde. Thank you.
ça va revenir, mais difficilement. En plus, c'est un des niveaux les plus faciles. Est-ce qu'on rage tout de suite ou plus tard? Non, allez, plus tard. Ah 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 ah, je me rappelle. Mais non. Super quoi. Putain, je m'épate moi-même ce soir quoi. Ah non, pas les relous, pas les relous, pas les relous, pas les relous, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ils font mal en plus. C'est peut-être parce que j'ai pris la version Jap en fait. Je me rappelle plus, est-ce que la version Jap est plus difficile ou pas? Me semble bien. Hein. Pour le 2, j'en suis sûr. Mais non, mais n'importe quoi. Bah, la 60 Hz, mais après, est-ce que c'est vraiment plus difficile? Je ne sais pas. Allez, vas-y, sans mourir là, sans mourir, est-ce que t'es capable? D'accord. C'est complètement raté. Effectivement, c'est pas du tout le même timing pour les la période d'invincibilité des boss. Ouais, c'est un peu ça l'idée en fait. Enfin, je vais en tout cas faire jusqu'au 6, ça c'est sûr. Après le reste, je sais pas. Peut-être. Ouais, allez, on va dire du 1 au 6, c'est déjà pas mal. Le 7, je suis pas très fan. Voilà, autant rager tout de suite. Ouais, c'est subodoré au fait que j'ai le temps, ce qui est moins sûr. Wouah! La lenteur des tirs! Non, oh là là! Les vieilles techniques de Siou!
C'est complètement Ah putain de merde. Allez, viens ici. Viens ici, Anthony. BG complètement intestable. Ah, laissez... oh non. Oh que non. Oh que non. Laissez-moi tranquille, voilà. Putain, du premier coup quoi, je m'étonne tellement. Putain, les frères marteau, même dans Mega Man, pousse la vie. Mais meurs. Heureusement que j'ai pas l'autofire, salopard. Allez, au milieu. Pile au milieu, c'est merveilleux. Non, t'as pas une bonne idée. Raté. Bon, mais ça c'est fait. Donc si ça me fait gagner des viewers que Shoprime est fermé, c'est tout bénef, j'aurais tendance à dire. Mais je ne ferai pas de mauvais esprit. Après Gutsman. Allez, Eggman était chiant aussi à faire. Et en plus je vais pouvoir récupérer une item cachée, trop bien. D'accord, je sens que ça va être long. Je sens que ça va être très très long. Bonjour, la 7ème compagnie. Putain de merde. Ça m'énerve. Bon, on se calme. Putain, mais quel jeu de merde, quel jeu de merde, quel jeu de merde, quel jeu de merde pour ça. Putain, collision sur les plateformes. Ah, ta mère. Ah, mais je le connaissais par cœur avant le timing. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà. Bon, c'est bon. Maintenant, je me fais dans le niveau tranquille. Au point où on en est, hein, de toute façon, allez, passe après, voilà. Ouh, ça va ralentir, là. Là, je sens que ça va ramer. Oh, que non. Voilà, je connais encore mes timings, ça va... Allez vous faire niquer. Oh non, pas les boss blocs.
Niquez-vous. Niquez-vous bien fort, merci cordialement. Putain, c'est presque pas passé, quoi. Et voilà le rayon de la mort pour terminer plus facilement certains niveaux. Ah non. Un coup que si en fait. non. Bref, Rabé Centran, et bien bonne nuit. Fais de beaux rêves. Bon, je me sens bien parti là, je suis chaud. Je suis grave chaud. Oh, que va te faire enculer, toi. Va te faire enculer bien fort. Non, mais il y avait une époque, j'ai terminé hebdomadairement les Rockman. Oh putain! Non, mais nique-toi le rayon électrique, hein, bien profond. Même le bruitage, il te troll. Oh. T'es trop nul. Elecman, tu pues la merde. Putain, mais les compos de Megaman, c'est... C'était tellement la folie, quoi, quand y repenses. Quand tu réécoutes les trucs... Sérieux, elles sont dans mon baladeur MP3, parce que je ne ferai pas de pub. Mais à vie, j'aurai les musiques de Megaman à 80. Je demanderai que son commentaire sur des musiques de Rockman 2. Alors, casse-couille 1 ou casse-couille 2? Bon, allez, casse-couille 1. Ah, le café, il est froid. Tantant. Putain, quand j'étais gamin, quand j'étais au CP, je me rappelle encore, je dessinais des dessins, je dessinais des stages de Rockman dans mes cahiers, quoi. Les profs, ils devenaient complètement ouf. Mais qu'est-ce que c'est, Saint-Valentin? Mais les jeux vidéo, c'est pas bien, tout ça, faut pas regarder les jeux vidéo, faut pas dessiner. Dessine, je sais pas, moi, des animaux. Non, je vais dessiner Megaman. En fait, j'ai fait à l'envers, c'était d'abord Iceman et ensuite Fireman. Je crois que je vais me faire dérouler. Là, j'ai eu de la chance. Mais c'est ça aussi le jeu vidéo, c'est aussi une part de chance, une part d'aléatoire. J'ai fait le 9, mais j'ai pas fait le 10. Et je devrais le faire le 10. Oh, what? Ah bah ouais. C'est trop facile. Ouais, je dessinais les boules de feu avec les lunettes de soleil, mais en fait, j'avais pas compris à l'époque que c'était pas des lunettes de soleil. Et là... C'est quoi déjà? C'est M. Voilà. Ah, bien niqué. Je vous ai bien niqué. Super. Super bis. Mais putain, mais nique-toi. Putain, c'est les échelles en plus. La croix Xbox, même du pad MLG, elle est à chier, quoi.
Ah, j'avais oublié l'astuce. Tu vas au bout du coin et disparaît. C'est pas mal, c'est pas mal. On va le faire au play, hein. Ça, c'était quand même l'idée à la con de Rockman 1, c'était les couloirs avec rien du tout, quoi. C'était vraiment une idée à la con. Mais il est sérieux le boss, mais il est impossible à éviter. Bon, non, je t'interdis de dire que Rockman 1 est cheap. Ça reste quand même un excellent Rockman. Même la BO elle est pas cheap, hein. En vrai, faut pas déconner. Mais t'as cru quoi? T'as cru quoi? Je suis I'm Rockman, bitch! Le 5 était bien. Le 5 d'ailleurs, il y avait Yamato Man, donc forcément, voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Moi, j'aimais beaucoup Napalm Man. J'aimais beaucoup son thème musical. Très très bon. Allez, le dernier. Ensuite, la forteresse de Willy, et on peut aller se coucher. Pas que ça à foutre, merde. Ça se trouve, vu que je me couche à 3h, j'ai peut-être le temps de faire le 2. Oh, super. Nique-toi! Nique-toi, putain! Putain, les pingouins hélices! Ah, toute ma jeunesse! Ouais, toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans où j'y joue encore régulièrement. J'ai toujours d'ailleurs les cartouches du 1 au 5. J'ai revendu le Swiss sous blister par contre. Capitalisme, tout ça. Économie, industrie du versus fighting, blablabla. Mais putain de pingouin de merde, va te faire enculer, toi aussi. C'est bizarre que le jeu rame autant. Non, j'ai fait le 1 avant le 2. Je n'avais pas de NES, donc je l'ai fait chez un pote, mais j'ai fait le 1 avant le 2. Oh putain, là je sens qu'on va rigoler. Je vais pas rigoler du tout. Allez, on se concentre. Raté. Voilà, 2. Ok. Voilà. Va te faire enculer le jeu. Pareil. Trop facile. J'avais oublié que ça glissait. Oh non. Oh non. Oh non. Non, non. Non, t'es pas drôle là. Là, je te trouve un peu méchant. Là, je te trouve un peu méchant le jeu. Pingouin de merde, pingouin de merde, va te faire enculer bien profond.
Palampa. Niquez-vous, sérieux! Mais c'est pas possible, c'est quoi ces collisions? C'est moi qui joue mal, c'est vrai. J'avoue tout. Putain de sol qui glisse de merde! Ah, quand ça s'arrête, c'est pas pour rien. Super. Putain, mais en plus, j'avais l'item j'avais pas du tout besoin. Ah, olé. Raté. Allez, on souffle, on se concentre, ça fait des conneries. Non, mais ferme bien ta race, le jeu là. Ça suffit, c'est plus drôle. Je crois que. Non, ça passe pas. Je pensais que ça passait, mais non. J'aurais jamais pensé. Trolling. Non mais reviens ici quoi, monte, sérieux monte. Mais c'est quoi ces patterns, putain? Mais putain de merde, mais jeu de merde. Ah mais non, j'ai compris. Je m'en rappelle. C'est évident. Visiblement, c'est pas ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, avec un peu d'observation, on vient à bout de tout. Je meurs. Ce qui me fait
fait tenir en fait, c'était. Franchement, même à l'époque, ce qui me faisait tenir, c'était les musiques, et puis le fait que c'était Megaman, quoi. Mais la souris, désolé, hop. Va te faire enculer le pingouin. T'as même pas forcément dans Batman, lui, me faire rager déjà. Voilà, va bien te faire mettre. Toi aussi. Et voilà. Mais non, mais putain, mais j'étais plus dans l'eau, connard. Il vénère ce jeu des fois. Allez, hop. Ça revient tellement bien, tellement on était bien. Bien, 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 bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Ah, putain de merde. Putain de merde, putain de merde. Alors, Chopra il va fermer, mais d'après ce que je sais, il y a plusieurs alternatives, mais. Google Hangout, c'est si mauvais que ça, parce que moi ça m'avait paru vachement sympa quand je l'avais essayé. Hein. Oh non, mytho. Ah non, 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 non. On va disparaître. Meurs. Bon, cette fois. En fait, non, ça continue beaucoup trop loin, ouais. En fait, c'est celui-là le pire niveau du jeu. Ah, putain! Non! j'en ai marre de je me troll, j'en peux plus. Ah, je faisais le malin tout à l'heure, hein, genre ouais, allez, d'ici une demi-heure c'est bouclé, j'attaque le 2, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles, poubelle! Et là, c'était rigolo, effectivement, avant que ça se prenne au sérieux, c'était vachement sympa quand même. Avant toutes ces histoires de Timmy Live, machin truc, tout ça, c'était vraiment cool. On avait un site, on faisait des casses de merde. C'était malin, c'était pas mal quoi, franchement. On disait de la merde, on commentait des trucs sérieux aussi des fois. Enfin non, c'était bien quoi. Ah ah! Ah! Non. Je parle du site, moi. Je parle du City Life. C'était plus sympa quand il n'y avait pas ces histoires de Timmy Life, de machin truc, de pute et drogue frionnelle et compagnie, là, hein.
Que live, c'est juste un site où on me fait des dédicaces sympas sans se prendre la tête et voilà, c'était cool. Là, c'était très bien. Moi, le site, il m'allait parfaitement. Je crois que c'est Elecman, lui. Ouais, c'est Elecman, ouais. Ah, nique-toi. Mais personne ne parlait de la team. Enfin, moi, je parlais de la team dans le sens où c'était mieux avant ces histoires de team professionnelle avec Kindevu, je mange des cookies et qui sais-je d'autre, là. D'ailleurs, hey, je veux pas être médisant, hein, mais quand je vendais des combats, les combats e-live, j'ai galéré ma race pour écouler le stock, hein, alors que les autres, ça partait en 2 semaines. Donc, hein, c'est bien signe qu'il y avait un problème. Alors, un petit instant, s'il vous plaît. Un petit instant. Alors. Ta-ta-da. Alors, hop. Putain, j'arrive pas. Ok, excusez-moi. Je lisais un truc important. Putain, un Kamba Enaf, ça aurait tellement défoncé, quoi. Voilà, en fait, le problème, c'était le logo e-live. Mais nique-toi, toi, va te faire enculer. Voilà, poubelle, hop. Ta souris. Mais c'est pas possible, enfin, tu vas en mettre combien des milliers comme ça, là, hein? À courir dans les hautes herbes. Mais 2-3, mais c'est pas possible. Ah, je peux plus passer. LOL. 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 Je suis trop mauvais. Mais vas-y mec, laisse-toi tenter un print. Un print enough, je suis complètement chaud pour t'aider à le faire. Ah, oh, les infamous beats. Ah ah, c'est plus comme un niveau de Bomberman, vous me mettez moins la misère, bande de fils de pute. Ouh, je vais avoir des problèmes. Ouh, je vais avoir des problèmes. Ah, ta race. Descends ici, viens ici, te dis-je. Viens ici, putain. Allez. Comment tu veux speedrun dans des bonnes conditions, là? Putain, la gueule du speedrun, n'empêche. Allez. Non mais allez-y, prenez votre temps, j'ai toute la nuit, hein. J'ai toute la nuit. Toute la nuit, je n'ai que ça à faire. Non, j'ai pas de carcasse rose qui traîne. Du moins, il ne me semble pas. Putain, mais il y a Cyber Diablo, quoi. Ce chan est devenu vrai, encore plus vrai que tout à l'heure, là, l'espace de quelques instants. Non, mais la gueule de la gueule, quoi. Ah, c'est ça, Taras.
Mais non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, Bis. Allez vous faire enculer cordialement, là. J'y arrive pas, hein. Ah si, j'y arrive maintenant. Oh, mais magnifique. Magnifique. Performance de ouf. En fait, en vérité, je m'entraîne secrètement dans l'espoir que Gamekult fasse un Gamekult Live Rockman, comme ça je pourrais briller en société. Allez, putain. Va te faire enculer toi aussi. Heureusement que vous êtes là, hein. Là, je me sentirais vraiment très seul sinon. La puissance. Allez, maintenant, rapprochez-vous, faites-vous des bisous. Voilà, merci bien. La géniale idée de Capcom. Ouais, faire des monstres qui volent et on va pas leur finir de pattern fixe. Comme ça, ils peuvent aller n'importe où, n'importe comment. Ça va être trop drôle. Mmh. Tu m'expliques là comment je fais quand j'ai pas l'item machin truc? Ah, oh, putain, me parlez pas de Captain Algeria. Non, c'est moche, franchement, c'est tellement moche. Je pensais vraiment pas qu'il ferait ça un jour, quoi. Non, mais c'est clair, tous les Algériens sont des voleurs. De toute façon, Captain Algeria l'a prouvé. Oula, ça commence. Oula, ça commence, Dieu. Oula, il attaque. What? Ta mère le démon, ta mère. On a déjà un œil sur... Attention, Well, il est tunisien. Historiquement, c'est les Tunisiens, c'est les gens les plus calmes du Maghreb. Hein. Tu peux tirer qu'un coup, le mec il a pas le temps. Ok, mais va te faire enculer là, ça devrait le faire, mais bon, une fois que t'as compris ce passage là. Ah, je t'ai percé à jour, le démon à œil unique. Tellement, la gueule du perçage à jour. Nique-toi bien profond, nique-toi bien fort. Je détestais ce boss quand j'étais gamin. J'en faisais des cauchemars la nuit. C'est comme ça que ça se passe, hein? Ah non, mais franchement, lundi où il y a eu le fermeture de Showprime et ensuite où Nathan a complètement révélé l'histoire de la crampe aux doigts que je connaissais évidemment depuis la Paris Games Week, étant dans le cercle de la franc-maçonnerie du versus fighting,
J'étais en train de rentrer en fait du Montpellier In-Game en voiture. Ou alors non, c'était Toulouse Game Show. Ouais, c'était Toulouse Game Show. Et putain, mais... Oh, le voyage, il est passé à une vitesse, sans déconner. Il y avait tellement de choses à lire sur Twitter. C'était une journée magnifique. D'habitude, je déteste les trajets en bagnole. Alors là, j'ai totalement kiffé. Alors oui, c'est quoi déjà qu'il faut pour le défoncer? Fireman? Non. Non, c'était pas Fireman. Je me rappelle plus. Oh, le troll. Avouez qu'elle est magnifique l'expression, la franc-maçonnerie du versus fighting. Mais j'ai tellement taffé les timings, enfin presque. Je pouvais rien faire. Ah, attendez, on me parle. Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Non, non, ça m'intéresse pas en fait. Je préfère jouer Megaman. Ah ah, niquez-vous. Non, non, c'est pas très gentil ça. Il est interminable ce niveau. Ah non, 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 pas le double. Pas le double. Pas le double. Non, j'arrivais pas à le battre quand j'étais gamin, c'était trop difficile. Oh putain, mais les jeux à l'époque. Laisse-moi faire ça. Putain, il est super galère lui. Je ne sais pas si je peux y arriver. Pars devant moi. Non, il n'y a pas de caste d'en haut, il y a juste des mecs qui savent pas quoi faire de leur life et qui dosent. Restons sérieux un instant, voyons. Ah, c'est easy en fait. Enfin, presque. Ah, en fait, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Ah, oh non, non, putain, faut se recommencer quoi. Le jeu me troll, ça commence bien. Alors, la cocaïne, c'était pour décompresser après le travail. C'est important. Je travaillais chez France Télécom, c'était ça ou le suicide? Ça se comprend quand même. Ça te cancelle le saut, quoi. C'était Cutman. Cutman, c'était quoi déjà, putain?
Gutman, c'est toujours que c'était Gutman, mais en fait, le problème, c'est que Gutman, bah, t'as pas de pierre, en fait. Oh, tant pis, on va la faire au Buster. Non, en fait, ils ont envoyé la coque à Ono au début, hein, et... Putain, super, quoi. Trolling game. Ok, Zix, tu sors et tu reviens. Va faire un tour dehors. Là, je suis dans la merde. Les timings. Elecman, hop. Oh non. Oh non. Bon, tant que j'ai spawn là, je regagne de la vie. Allez. Tu as deux essais, Valentin. Ne les gâche pas. Non, mais il a raison. Les blagues où tu l'expliquais, franchement, moi, je trouve que c'est les meilleures. Enfin, c'est ce que j'essaye de me dire pour me convaincre depuis que... Alors là, j'ai complètement pas les patterns. Mais en fait, il est super ballot, il tire à intervalles complètement réguliers. Mais je me suis jamais rendu compte de ça, en fait. Alors qu'en fait, c'était con comme une blague de maternelle. Bah bravo, bravo. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé, en fait. Ce serait bien qu'il y ait un compteur de temps sur XSplit. Ouh là là. Ce niveau, il me fait une sorte de fussoir. Ça y est, ça commence. Moi je m'en fous, moi je prends des dommages, qu'est-ce qu'il y a? Comme disait Bouba, moi je suis toujours par crevé par balle à mourir en moto. Comme la chatte à Popeye. Putain, la chatte à Popeye, quoi. Cassez-vous les pingouins, cassez-vous les pingouins, les pingouins, les pingouins. Ok, excusez-moi. Et ouais, effectivement.
Allez. Il est facile ce boss. Ah ah, lol. Eh bien, à bientôt, crapaud. Gutsman, Gutsman, I'm really cool, Gutsman. Du premier coup. Regardez-moi ce skill. Ah. Mega Marino, il a compris. Il sait que je souffre sur la version japonaise. Ouh là là. Le run Buster Only, on en reparle dans quelques années. Hein. On en reparle dans quelques années. Je l'envisageais à une époque, il y a très longtemps. Mais c'est pas tout de suite le boss en fait. Moi je sais que ça plaît au film, mais... Oh quel con. Mais je le sais en plus. Mais je le sais. Je le sais. C'est débile. Enfin, bravo, voilà. M'achète la croix Fight Pad pour mon pad MLG, tiens. Non mais les Buster Only c'est pour les vrais speedrunners. Moi je suis un speedrunner du dimanche. Oh là là, oh là là, oh là là. Non mais en plus il se jette dessus, bah tout va bien. Ouais. Voilà, nique-toi, très bien. Nique-toi aussi. Allez. Il rate la plateforme. Allez, game over, on recommence. Voilà. On va utiliser le M cette fois. Je me rappelle plus si j'ai déjà vu ce Mega Man 1 en non-assisted. Parce que moi, j'aime pas le tout l'assisted. Hein. Contrairement à ce que dirait le myope, moi, je trouve que c'est un peu de la triche. D'ailleurs, j'espère secrètement qu'un jour il viendra chez moi pour me casser les genoux. Très cordialement, bien sûr. Voilà. Allez. Maintenant, on va arrêter de faire le con. Il est tard quand même, ce serait bien de pouvoir terminer Mega Man 2 derrière. Allez. D'ailleurs, il n'y a pas le bruit agaçant pour ces plateformes-là, c'est marrant. Thank you.
Connard. Voilà, j'ai que ça à dire. Pareil. Mais c'est pas possible, j'ai la polio aujourd'hui, ma parole. Attends, Bombman, si la logique... Ah, la logique, ce serait Fireman, je me rappelle plus du tout. Reste tranquille. C'est la pression rien du tout, c'est la pression de la polio. Hop, poubelle. Ah lui c'est un régal, hein. il est aux fraises hein, le bonhomme. Quelqu'un se rappelle c'est quoi la dernière arme pour le truc guignol de Willy? Hein? Dites-moi vous vous rappelez de ça. Allez. Je crois que c'est Eleckman en fait, mais j'en suis pas sûr. Oui c'est Eleckman en fait. De toute façon je vais mourir, donc je dois tout recommencer. Ah lol enculé va. Non mais c'est des démarches faire par élimination, vous êtes gentil vous. Ah c'est Fireman, très juste, c'est Fireman. Et ensuite après je crois que c'est une autre arme pour la deuxième partie par contre.
premier. Le premier, c'est... Je sais plus. Je ne sais plus qui est le premier là dans la liste. Ah, c'est bon. Là, okay. Ensuite, normalement, c'est Fireman. Iceman. Iceman, il prend Jetman dans la gueule, il ferme sa gueule. Mais pourquoi tu pouvais plus bouger? Voilà, bon travail. Allô? Oui, c'est Arsmine. Très bien la blague, très bien. Je valide ce genre d'humour totalement. De façon unilatérale et diamétralement opposée. Parce que je ne savais pas quoi dire. Iceman? Allô? Oui, c'est Iceman. Ah oh, ouais. Il n'a pas de faiblesse après d'ailleurs le bonhomme. Il me semble qu'il n'a pas de faiblesse. Où ça? Ah mais je me souviens en fait. Électricité ça fait 2 hits en fait sur le deuxième stade. Du coup ça va plus vite en fait. Voilà. Du coup ça va plus vite. C'est une petite rousse de Sioux que j'ai mise au point, comme ça on en aura plus. Ah, il m'a défoncé, mais j'ai plus de vie en même temps, j'ai plus de vie. C'est dans l'autre sens, Valentin. Voilà! Voilà! Je t'ai niqué ta race! Je t'ai niqué ta race! Ah ah! Tellement de violence, tellement de cruauté dans ce run. Tellement de PGMisme. Oh, et ça va, hein. Franchement, Fabien, ça va. De quoi tu te plains, hein, tu stream du Rockman en 2012? C'est du rétro gaming, ça, monsieur! Ah, j'avais oublié. Oh, les sacs. Ah, ils ont carrément repiqué la musique de l'intro pour le 2. Bon, les mecs, on a une réduction de budget, on peut plus faire d'intro là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va prendre la musique de fin du 1. Ouais, super, Roger! Allez, c'est parti! Mais attends, j'ai pris la ROM Jap. Pourquoi c'est pas écrit en japonais? Alors, il n'y a pas une option pour que quand je sorte de la fenêtre, il y ait au moins la musique continue. Ah, run in background, voilà. Voilà, comme ça, je vous laisse la musique de fin pendant que je vais chercher la ROM du 2. Alors, je précise que je prends la ROM, mais je possède les cartouches originales à la maison. Rockman 2, c'est quoi ce moteur de recherche à chier? Docteur Willy Danazo.
Parce que ma NES n'a pas. Enfin, ma NES est en prise périphérique, j'ai pas de câble composite pour ma NES. Et puis que de toutes les manières, ma NES est actuellement à Hossegor, dans les Landes, département 40, ici la famille. Hein. Et que du coup, ben voilà. Niquez-vous. Voilà. Je ne stream que de l'émulateur. C'est tout. Allez. C'est reparti. Jusqu'à 3h du matin pour finir le jeu. Ah mon dieu, ah oh, je me suis encore fait troller par le jeu, c'est garanti, quand tu connais plus le jeu, c'est la phase. C'est complètement la phase. Comme dirait un certain JPK, c'est le Brésil. Alors là on rentre vraiment dans le parangon, que dis-je, la sublimation des musiques NES avec les musiques de Rockman 2, hein, classique, constamment renouvelée. Il n'y a absolument rien à prouver dans les compositions de Gré de Sukune, c'est absolument fabuleux. Voilà. Difficile, mais non. Ok, il faut toujours qu'il y ait des connards qui te niquent le plaisir, voilà, c'est ça, gâche-moi un bar de vie, je te dirai rien. Toi aussi, fais-toi plaisir, c'est la fête du slip, voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est la foire à la saucisse. Vous les connaissez les phases, autant que moi. Non mais n'importe quoi, va-t'en. Il est plus facile que le premier, je trouve. Moi, perso, je trouve qu'il est plus facile. Après, si vous trouvez pas, c'est que vous êtes pas bon. Et voilà, disparaît. Par contre, en japonais, ouais, il a vraiment l'air difficile. Mais bon, mon premier jeunesse, Kaldam, c'était Probotector. Ouais, parfaitement, monsieur. Aïe! Oh, lol, il m'a défoncé. Non mais la version PAL c'était une blague hein. LOL t'es trop nul Flashman. Oh poubelle. Un des meilleurs thèmes. Headbang. Ça c'est du drum and bass les mecs. Allô, oui, Sir Light. J'allais dire Sir Willy mais non. Moi j'ai du mal avec Mega Man 7 franchement. Il est pas mauvais mais j'ai vraiment du mal. Le 8 aussi tu me diras, hein. Le 8 sur PlayStation et Saturn. Ah, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Pour moi ils auraient dû tous rester en version sprite, dégueulasse, machin truc, tout ça. Je crois que j'ai encore le 8 sur Saturn et PlayStation il me semble. Le 7 si vous voulez je l'ai en mint. Je le vends d'ailleurs, je n'en veux plus. Est-ce qu'on rage tout de suite en faisant Quickman ou pas? Ouais, allez, on va faire Quickman. Cela dit, je vais peut-être me faire lyncher, mais j'ai aussi beaucoup de mal avec Rockman and Bass. Ta
Putain, mais cassez-vous quoi, les distributeurs de spermatozoïdes là. Ta-da-da. Il balance des monstres avec le soleil. Ah, pourquoi j'ai sauté? Ah mais Rock Command Bass, il est super dur. La version GBA d'ailleurs là, et j'ai remis un petit coup dans la console pour tester, et putain, mais je trouve pas super agréable à jouer en fait, j'aime pas du tout le feeling du jeu. Comme, un peu comme le 7, mais dans le même genre, c'est-à-dire que c'est pas l'imité de Rockman, même Rockman X, tout c'est différent et j'aime pas trop. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'activais systématiquement Flashman. Ça me faisait tellement flipper ce passage quand j'étais gosse. Quoi. Meurs! Non, comment je pourrais même pas toucher là? Oh bah bah, casse-toi, sérieux, casse-toi. On met deux les dans la suite de ce n'importe quoi. Oh mais le Rockman X, lui par contre, je le retourne tranquillement sans problème. Je canne peut-être un peu sur la dernière forme de Sigma, mais... Putain, vous êtes 23, ça fait plaisir quoi. Comme quoi, je crois que je vais arrêter de me casser les couilles. Je vais streamer du Rockman tous les soirs. Je vais faire le sigle mic du Rockman. Megaman 4 est vraiment sympa. Honnêtement, level design il est au top. Un petit peu en retard sur les musiques par rapport aux autres. Quickman. Je sais plus qui c'est qui dérouille Quickman. Bon, tant pis, Metal Man, je peux le faire au Buster. Putain, j'ai complètement oublié l'ordre des boss quoi. C'est le piège, tu pouvais passer des heures à essayer de tout nettoyer, mais ça s'arrête jamais enfin! Tu fais la fin, t'en as marre, tu fonces. Oh, le jeu il rame.
Mais putain, mais apprends à viser sans déconner quoi. Apprends à viser sans déconner. Oh ah, poubelle, voilà, ça suffit. Bubble man, Hitman, Clash Man. Ah, j'hésite. Allez, choisissez pour moi, quel boss? Quel boss s'il vous plaît? Aidez-moi. Je ne sais pas, je suis perdu. Sodoman, non mais c'est tout Sodoman là. Ah, on m'a dit Wood. Bon allez Wood, allez c'est parti. Je sais même pas si j'ai l'arme pour le défoncer. Normalement les 6 circulaires ça fonctionne. Il y avait pas des chauves-souris là normalement. Dans la version européenne, il y avait pas de chauves-souris. Et surtout, les chauves-souris, elles mouraient avec un seul tir, pas avec deux. Ça balance-moi des carottes. Ça rend aimable, j'en ai bien besoin. Pardon, c'est pas une insulte. Ils étaient stylés ces ennemis quand même. Non mais, de 3, tu te fous de la gueule de qui là? Régénérez-moi, bitches. De la vie, rendez-moi de la vie. Allez, j'ai pas que ça à foutre, moi. Demain, j'ai piscine. Ouais, non, allez, bref. Ça servait à rien, de toute façon. On va jamais compter sur vous. Oh non, non, pas les Donkey Kong. Ah ah, ah ah. Invincible, je te dis, invincible. Comme Boris dans GoldenEye. Allez ta gueule Bugs Bunny, voilà, merci. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Meilleure arme du jeu, qu'est-ce qu'il y a? Faut juste faire une provision chez... Oh, il y a des poulets qui courent là. Ils sont complètement ZF les poulets et ils m'ont défoncé. Je me suis fait défoncer par un poulet. Balapa. Bon voilà, ça vous a plu? Hop. Et bah niquez-vous, je change de stage.
T'as le poulet complètement ZF quand j'y pense. Il m'a bien miséré. C'est pareil, eux ils mourraient en un coup. Ils crachaient quand même leur merde dans ta gueule, mais ils mourraient en un coup. Attendez un instant. Voilà. Non mais quand même quoi, il faut quand même citer les auteurs du stream, tout ça. Hein. D'ailleurs je vais ouvrir un PayPal. Non je déconne. Meurs pourriture communiste. Ah, même pas touché. Fais faire défoncer. Ouais vas-y fais Dark Soul. Alors tu vas pas me voir deux fois. Putain je me suis fait quand même niquer quoi. Ah PD va. Je sais c'est pas une insulte tout ça. Mais ça va, oui, les oiseaux là avec leur. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh je suis niqué. Le jeu m'a trollé, le jeu m'a trollé. Le jeu m'a trollé, le jeu m'a trollé. À quand le stream de Dark Souls 2? Bah quand il sortira. Voilà. Par contre, ce qu'on risque de faire probablement vendredi soir avec Exerve, un gros joueur de Dark Souls avec une super chaîne YouTube, qui justement a fait le guide de Demon's Souls et Dark Souls, c'est qu'on va commenter un run où le mec finit le jeu en 59 minutes, sans glitch, sans bug. 59 minutes, il te retourne le jeu. Voilà. Pépère. Pépère le mec. Mais putain mais... Et puis ouais, moi du coup je tentais de faire de... Ah Taras. Ouais, il a fait un run glitchless et il est exceptionnel ce mec. Son run est magnifique. Il y a un run de 57 minutes et on veut pas commenter celui de 57 minutes parce que le mec il est moins impressionnant en fait. C'est vrai que l'autre du coup 50 minutes se prend un peu la tête, mais c'est magnifique. C'est magnifique à voir, c'est super bien foutu, il y a tout, il y a tout, il y a de l'amour dans ce run, il y a de l'amour du travail bien fait. Les monstres ça servait strictement rien de les défoncer. Ouais, run de glitch c'est en 15 minutes en tout du genre comme ça, c'est pas mal. Cul, tiens, tu vois mon cul? Tiens, en plus il est tout rose Megaman quoi. Ah
Ah, c'est pas ça l'arme. Je suis dans la merde. Ok. Ok. Ok, bon, pas de problème. Je me suis fait niquer. Ah, presque facile. Et ouais, et pour le coup, on est bien deg avec Exerve de pas pouvoir utiliser eLive ou Showprime là pour commenter le truc. Donc on va tenter le coup sur Google Hangout en live. Et ensuite, ensuite on va très probablement le re-uploader en synchronisant la bande son sur la vidéo en meilleure qualité, hein, à défaut de... Des fois de faire des grives, on mange des merles, hein, vous connaissez le proverbe. Je sais pas lequel faire, Allez, on y va. Oh, Bubble Man qui est comme une host du plaisir. Mais vraiment du plaisir. Mais il est invincible! Tenter le glitch. Ah, c'est après, ouais. Yes! Ah bah non, c'est raté. Oh, tu sens tout la système, c'est très très dur à faire. Aussi apprend à doser le bouton saut. Oh le con. Oh le gros con. Miel pour mes oreilles et non pas du cérumen, hein. Enfin pas ce genre de miel quoi. Thank you.
Oh putain de merde. Mais quel con, mais quel con, mais quel con. Oh, je recommence là en plus. Merde. Putain, les crevettes à réacteur prone. Réacteur prone. Bon, parce que je vous explique super bien l'anglais, t'as vu. Mais au fait, vous avez pas compris le travail de pas dormir. Pareil, faut que je taffe. Demain, je peux être au bout de 10h30. Oh, ça va, c'était Kamit. Je crois que c'est Metal Man, lui, mais j'ai tellement... C'est tellement loin, tout ça. Ouais, c'est vrai que moi, je vis que par les jeux vidéo. Bah oui, c'est sûr, c'est mon boulot, mais... Le hentai aussi, j'aimerais bien bosser dans le hentai. Je pense qu'il y a, du potentiel. Oula, ça me fait mal. Hein. Voilà, meuf. Allez, encore combien? Alors, stage select. J'ai pas encore fait Herman, mais comme j'ai pas encore le numéro 2, je ferai pas Hitman. Hitman. Hitman ou Hitman, je sais pas, bref, pas très important. Putain, cette musique, c'était ma souris de téléphone portable. Je rush moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en rouge, t'as vu? Easy, easy le video game, easy. C'est quand même autre chose que les plateformes sans pattern dur. Hein. Putain, je me crois des frissons quoi. Ces plateformes à la con, sans déconner. Non, non. Cassez-vous, cassez-vous. Pas les oiseaux. Putain de piaf. Hein. Patience et mère de sûreté. Il est quand même stylé ce stage. Il est trop mignon ce robot qui souffle. T'as pas envie de lui faire de mal quoi, sans déconner. Ah, il y a eu un glitch là. Ça suffit les piafs à la con là. Alors lui c'était quoi lui? Si c'était... C'est pas Metal Man, c'est pas Crash Man, c'est pas Flash Man, c'est pas Bubble Man, c'est peut-être Bubble Man ou Quick Man en fait, je sais plus, tout ça c'est tellement loin.
plaisir, les jeux vidéo, c'est quand on était gamin. Maintenant qu'on a grandi, on peut arrêter ça. Oula. J'ai eu très très chaud. Voilà. 10 minutes, ça va être short. Mais bon, je pense qu'on va pousser un peu, hein. On est gourmand. Moi, personnellement, je suis une vraie gourgandine. Allô, oui, Sir Light. Sir Raito, comme on dit avec l'accent japonais. Ouais, et je t'offre une super roquette en forme de zizi de chien. Qui te permet de voler au-dessus du stage de Hitman, histoire de pas te galérer avec ces putains de blocs fantômes de merde. N'empêche, le boss, il a un look de briquet Zippo. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Trop aimable. Super, waouh, oh, quelle performance. Jamais à sauter par-dessus correctement cela. En avant. Non mais pourquoi faire? C'est gentil hein, mais j'en ai plus besoin de tes blocs fantômes à la con là. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Mais non.
Ah d'accord. J'aurais essayé, hein. Ah, ça marche bien, ça. Quickman, donc je note. Hitman, il aime pas Bubble Man, je crois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas si dur à speedrunner, hein, je pense. Enfin, si, c'est dur, mais... Pardon. LOL, Zippoman. Le boss le plus facile du monde. Voilà. Bon, quand tu foires pas tes timings comme moi, mais ça c'est un autre problème. Palapalapalapalapala. Allô ? Oui, Zerlight, je vais enfin te filer l'item qui te permet de terminer tous les stages sans te prendre la tête avec les plateformes. LOL. Allez, bye bye. Tchuss. Allez, on nique sa mère à Woodman, on fait cramer sa maison, on fait la forteresse de Willy, on va dormir. En plus, vous avez de nouveau la musique de Woodman, vous êtes vraiment gâtés ce soir. Et Bugs Bunny, tu veux des mandales ? Non mais plus de chauves-souris encore. Vous avez cru que j'étais japonais ou quoi ? Tellement plus simple. Putain, mais t'es manchot, Valentin, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est la polio, la mucoviscidose et autre chose, quoi. Il est pas possible. Ça va pas du tout, là. Ah! Exactement, c'est exactement ça quoi. Ah non, c'est Bugs Bunny. What's up, Doc? Ah bah dans ton cul, Doc, voilà. Hein. Allez, les poulets ZF, Woodman et on remballe. D'ailleurs, là, j'espère que les 20 personnes qui sont présentes sur ce channel seront à Cannes pour les World Cyborg dans les World Game Cup. Ça n'a rien à voir. Cette année, parce que ça va être encore une fois de plus énorme, comme ma bite d'ailleurs, ça doit se savoir, et vous avez intérêt à être là. Reviens ici, le poulet! Ah, super. La gueule du poulet. Alors, on va tenter un truc. Thank you.
Ouah, ça le tue pas, c'est de la merde. Oh non, oh non, oh non, oh non. Non, non, non. Non, c'est pas juste. Ah tiens, il y a Widow qui me rappelle, il faut que je le craque d'ailleurs. C'est super chiant. Casse-toi donc, les cons. Ok, elle a mis 3-3. J'ai pas l'impression, hein. Enfin en tout cas moi elle avait pas de soucis quoi, non? T'as quoi comme bug? Ouais, ce serait bien qu'il bouge son cul l'autre, effectivement, à l'ab là. F5 sinon. Mais il fait super mal, ce fils de pute. Mais il fait super mal. Chien, va. Merde, Woodman, là, c'est le boss en bois, là. Mais non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. De Danone, oui, tu vois le transit intestinal, ce que je veux lui faire moi. Voilà, va te faire enculer, fils de pute. Ah, il me rend vulgaire.
attention. Les robots dans Megaman ne sont pas maévriques. C'est juste des robots en fait. C'est pas des réploïdes. Les maévriques, c'est des réploïdes qui deviennent fous. Allez, voilà, on se nique les oreilles tous en cœur. Dans ce dégradé du bleu vers le noir. Magnifique. Alors tout le monde kiffe cette musique, mais je pense que j'ai dû faire une overdose. Même si je la trouve super bien. Hein. Mais ouais, super, ça commence, voilà. C'est le grillé quoi. Ok. Ah bah là tout de suite ça va mieux, voilà. Moi j'aime bien Voldo du 86, comme ça après tu pourrais faire une musique, tu vois, je voulais juste briller. C'est le 76. Je voulais juste briller. Oh putain, t'as gagné, Coco. Un des millions de vues sur YouTube, là, assuré. Seulement pas dans le bon sens. Ça, c'est un autre problème. Alors, c'est un boss où j'ai une chance sur deux de me foirer et de tomber comme une merde dans le trou et de mourir. De décédent. La sœur de Booba, oui, je vois comment elle s'appelle. Elle est une actrice porno en plus à la base. Mais tu sais, le porno, genre second rôle d'un gonzo complètement obscur à budget 1000 euros pour tourner le film entier, quoi. Non, très mauvaise idée.
Merde. LOL. Tu pouvais passer au-dessus. En plus, tu auras toutes les upgrades. Super. Non mais génial, génial. Et pourquoi j'ai fait ça? Oh bah bravo. N'importera pas toutes les fenêtres. C'est le Brésil, comme dirait JPK. En plus, j'ai vidé la barre. Voilà, bravo, j'ai tout donné. Bravo, Valentin. De rien, One Tilo, à plus tard. Voilà, là j'aurais besoin de Flashman. Putain. Ah si, ça me vénère. Ah bah oui, bravo, tiens, bravo, bravo. Les timings, ils vont en volo aussi. Hein. C'est Metal Man, ce boss. LOL. Bon, tu vas même pas recommencer là, enculé là. Pardon. Voilà, on peut repartir sur des valeurs morales techniques plus saines. Oh bah non, tiens. Faut que je remplisse l'autre. Ce serait trop beau. Et ouais, il faut que je recharge. Ça fait super chier. On pourrait en faire une chanson. C'est relou, voilà, voilà qu'on perd du temps. Super, bravo, bravo Capcom, bravo. Vive le level design des années 90, c'est vraiment bon. Thank you.
Mais putain. Ça devrait suffire. Bravo, 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 bravo. Des gens nocturnes comme moi, quoi. Je me sens moins seul. Du coup, bonsoir Bandicoot. Voilà. Gratuit comme ça. Alors, troisième stage. Ah, chiant celui-là. Avec la musique, elle me débecte. Ah, bah, on a les moyens, que veux-tu? Nous avons les moyens de vous faire parler. Je recharge Crash Man en vue d'affrontements futurs, mais également. Ah oui, c'est ce niveau-là, il y avait un gros poisson de merde. Voilà. Alors, il paraît qu'il n'y a plus de problème entre les streams et Free maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un peut confirmer, s'il vous plaît? Apparemment, depuis quelques jours, ça s'est grandement amélioré. Meurs! Oh putain, non! Ça va, oui. Ah, 480, c'est mieux qu'à la base, hein. Moi, j'ai connu du... Oh là là, c'est quoi, lui? Oh là là, c'est quoi? Je crois que c'est Quickman. Le mec, il y en a Quickman partout. Oh, mais Dailymotion, il n'y a aucun problème, effectivement. Ouais. Mais ça, c'est parce que les serveurs sont en France, donc ils n'ont pas besoin de requérir du trafic depuis l'étranger. Et comme ça leur coûte moins de thunes, bah, ça leur dérange pas de payer. Et encore, il y a des mecs sur qui ont des problèmes avec Dailymotion de temps en temps, vraiment aux heures de pointe. Donc ça, c'est vraiment le stage le plus chiant du monde, quoi. Taras. Tu as combien de vie là? Deux, moi, ça va. Sinon, je me suicide tout de suite.
Alors, je crois que... Ah, voilà. Allez, on s'en fout. Les bulles, c'est pour les lopettes. Ah, j'étais presque. Connard. En plus, le boss de ce level est horripilant. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que je disais? Le jeu de la patience. Apparemment, ce n'est donc pas un jeu pour moi. Bonne nouvelle, je suis entièrement régénéré. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, honnêtement. Monsieur Carreté est un homme énigmatique, mais nous avons un peu les mêmes racines. Non, c'est pas spécialement grave. Ça me choque pas. Il y a une idée. J'ai d'ailleurs pas le premier à me faire la remarque. Non, le mieux c'était quand même un mec qui écoute un stream, c'était un tournoi à parisien, c'était le tournoi du God. Et il fait ensuite un autre pote que... Alors lui il stream du versus, mais c'est pas mal, mais je trouve qu'il copie trop Ken Bogard. Et en fait le truc c'est que c'était Ken Bogard qui commentait sur mon stream. C'était quand même très drôle. Diablo, t'es vraiment un coquinou. Hein. Tout de suite la bite, hein. Voilà. Directement la bite, voilà. Gros cochon.
Fabrice, tu es un gros cochon. J'espère que tu en es conscient. Non ! Non, l'erreur de naze. L'erreur de gros naze. Sakoyaro. Sakoyaro. Hop là, à espagnol. Putain, je regardais le chat. Je suis en train de regarder le chat. Voilà. Oh, mais t'inquiète, il est pas méchant, Cyber Diablo Marshmallow. Il est juste un peu taquin. On est souvent comme ça, nous, dans le sud-ouest. On est très taquin, mais c'est pas méchant du tout. Enfin, je suis vraiment du sud-ouest, mais voilà. Je pense que vous saisissez l'idée. Je ne renie pas mes racines. Des fois, j'en ai un peu honte, mais bon, après tout, hein, on vit avec. En tout cas, je suis très flatté que tu préfères me regarder moi plutôt que la télé. Enfin, ce que je diffuse plutôt. Parce que je pense que ma gueule, t'en a plus rien à foutre. Ce qui est tout à fait logique. Allez, voilà, et là je ne regarde pas l'écran du chat, voilà, et tout de suite ça fait beaucoup mieux. Oh, et ça va, hein, je suis monté à la ville pour travailler, monsieur, je suis monté à la ville, j'adore cette expression, c'est tellement pédant, c'est tellement garanti, comme le PC. Allez, zizi de chien en action. Piou. Alors, Quickman. Ah ah. Laisse-moi tranquille. Alors là, c'est un boss que si je me rate, eh ben, je peux pas le finir. Ah! Défoncer, c'est une horreur. Non, ouais. Oh connard. Oh, <t'es... rire> oh putain, le tir quoi. mais monsieur, mais moi j'allais pas travailler sur les quais. Putain, il fait froid humide. Moi je me faisais le boulevard carrément. T'es ouf ou quoi? Connard. Du boulot, il y en avait plein sur les quais. Je t'en foutrais moi sur les quais. Oh là là. Alors, ouais, ok. Tiens.
Ah, c'est vrai que dans celui-là, tu récupères de la vie derrière. Bouah, pff, trop simple, lol. Pas trop simple. Alors lui, c'est qui? C'est Wingman, ouais. Je suis très vulgaire quand je joue à Rockman. Heureusement que je stream tard la nuit qu'il n'y a pas de petit enfant qui m'écoute. Encore me prostituer que ramasser des crottes, tiens. Merde. Ce qu'il m'a mis. Allez, hey, poubelle. Rockman, oh, poubelle. Tellement mis à la poubelle. Ah, il m'a séché, ouais, mais complètement. Ouais, je pense que j'ai fait les boss les plus durs là. Ah, regardez, je le fais tenir dans l'air sans fil. Tu m'énerves. Tu m'énerves, Quickman. Voilà, mets-la en veilleuse un peu. Ah oui, je me rappelle que c'est Herman. Hop là. Facile, pratique, propre, efficace. Je sais plus qui c'est Hitman en fait, c'est Flashman qui prend Hitman. Easy
Easy Breezy. Et enfin, c'est lui qui prend Hitman, alors ça je comprends pas. Hitman ? En fait, c'est plus facile au play, quoi. Oh, Buster. D'accord, c'est pas ça. Non, pas Game Over. C'est Quickman alors, je pense. Ouais, on peut le charger, effectivement. Oh putain! Ok, c'est bon, j'ai compris. Thank you.
finish The Flyboat. Voilà. Alors, Crashman, et on envoie l'autre à la poubelle. Oh ben voilà, Fox Monsieur, il était temps. Nous vous attendions, cher ami, depuis longtemps d'ailleurs. J'ai failli attendre, comme dirait Louis XIV. Je te nique, Docteur Willy, je te nique, je te prends, je te retourne, tu vas contre le mur et je te baise. C'est très bien ça. Et je pense que le dernier niveau de Mega Man, d'un point de vue purement philosophique, est une allégorie de la caverne de Platon. Trêve de conneries, j'ai bientôt fini Mega Man et j'ai enfin pouvoir aller dormir. Oh. Ah ouais, la barre de vie quand même. Allô, oui, Sir Willy. Oh non, oh non, oh non, faut pas tout recommencer, non. Oui. Putain, ce morphing quoi, les capacités de la NES poussent à leur paroxysme. Il fait des 8. C'est le signe de l'infini, c'est un ilmati. Oh putain, mais non, je peux pas me faire dégommer comme ça. Je pensais pas qu'il était si dur. Ah, mais c'était en version pâle, lol. Leaf Shield contre lui, t'es certain? J'y crois pas bon et j'y crois pas trop hein. Moi à mon avis ton Leaf Shield il envoie à la poubelle hein. Ouais voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est Bubble Only hein. Oui,
est là en mode caution, hein. Comme le groupe de rap, hein. Les références musicales, ouais, pour ceux qui connaissent, t'as vu. Ah merde, raté. Et voilà, je meurs, et de toute façon je pouvais pas le tuer. Allez, on recommence, et cette fois-ci on le finit. Ah mais j'ai taffé le MOOC, hein. J'ai taffé les Framdata, livide, hein. J'ai le Brady Games à la maison. Je suis un joueur trop pressé, je ne prends plus le temps d'attendre les patterns. Alors qu'en fait, Megaman, c'est le jeu de la patience et de l'attente. Voilà. Tu vois, quand tu attends, tu ne prends pas de dommages inutiles. Voilà, avec douceur, tu fais l'amour au stage, là. Tu le caresses. Tu souffles dans son cou. Tu lui mordis le lobe de l'oreille. Et là, surprise, bonne sexe, l'alien. Voilà. Voilà, fuck 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 fuck. Allez, c'est fini de jouer à Gundam là. Ce que j'adore, c'est que là il est en train de. Sa machine est en train de tomber pas, puis Megan le regarde, placide. Genre tu me dis quand t'as fini, quand tu t'arrêtes. Bon sang, mais c'est pas trop tôt. Bon, eh bien voilà, j'ai commencé à quelle heure? J'ai commencé à 2h du mat, il m'a fallu 1h48 pour finir Rockman 1 et 2, Rockman 1 et 2. Ça va. Et ben voilà, ça c'est fait. 4h du matin, je vais être beau au boulot moi demain. Putain, sachant que le 3 t'en chie ta race quoi. T'as les 8 boss, après t'as les 4 stages fantômes, avec chacun les 2 boss du 2 dedans. Je suis déjà fatigué d'avance quoi. C'est exactement ça, je suis en plein échauffement pour Megaman Cross Street Fighter. Thank you.
bah c'était sympa. C'était quand même bien sympa. Mais j'avoue, la cruauté de la version japonaise, je crois que je l'avais jamais fait en fait en version japonaise. Je l'avais fait en hard pâle, mais il me semble qu'en version hard pâle, t'as pas les ennemis en plus et tout comme t'as en version japonaise. Faut que je vérifie, mais bon. En tout cas, c'était bien sympa de se faire la version japonaise. Eh bien voilà, c'est fini. Je pense que je vais couper pour aujourd'hui. Et eh ben, je vous souhaite une très bonne nuit. Ou du moins ce qu'il en reste. 3h51, ça pique un peu. Et puis bah, peut-être pas demain soir, parce que je pense que je serai au cinéma. Quoique si, 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 demain soir. Allez, demain soir, on se donne rendez-vous pour Rockman 3. Peut-être un peu plus tôt par contre. Je pense que je vais quand même essayer de viser 23h, 23h30. Oh, fuck that. De toute façon, vous avez Twitter, vous avez Facebook, hein, vous avez quand je streamerai. Allez, bye.